Salut à tous, bienvenue sur La Voix de l'âme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. En ce moment, je vous fais des vidéos sur La Voix de l'âme qui parle de tout ce que j'ai vécu en forêt, qui t'explique la magie de la forêt. C'est plutôt assez, je vais y arriver. C'est plutôt assez intéressant. Ce sont des vidéos que j'ai tournées en 2023, que j'avais pas encore diffusées, que j'avais pas encore produites, parce que mine de rien, j'ai tourné pas mal de vidéos. Le montage est long. Premier point. Deuxième point, il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie, notamment au mois d'avril, tu vois, ce cabinet qui est arrivé. L'histoire est assez particulière puisque j'en ai souvent parlé, un transit, énorme transit planétaire de Pluton qui est arrivé le 21 janvier dans le signe du Verseau. Mon anniversaire, c'est le 22. Et le 22, il se passe un truc, c'est que à partir du moment où Pluton est rentré en Verseau, j'avais mis en place, on va dire, un modèle économique où j'allais mettre en place des ateliers de gestion du stress, de la formation, les consultations, bref, tout un tas de choses. Tout était bien cadré, bien bordé comme il fallait. Sauf que là-haut, ils en avaient un peu décidé autrement. Donc ce qui s'est passé, c'est que tout s'est effondré en une semaine. Tout a été mais balayé comme ça. Le lundi, je me pointe, premier atelier, personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Alors que j'avais 10 personnes qui avaient réservé sur Facebook. J'arrive à la salle, pas une personne. Ça fait un peu mal quand même. Mardi, j'avais un rendez-vous que je devais signer, qui devait faire un beau contrat, comme on dit, personne. Mercredi, pareil, une formation que je devais faire, finalement la formation est annulée. Jeudi, atelier gestion du stress, ça dégage. Et vendredi, j'ai un rendez-vous, et puis ce rendez-vous, rendez-vous est annulé. Et là, je me dis, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Et ma petite voix me dit, va quand même travailler dans le bureau, parce que je profite du bureau de cette personne, et va travailler dans le bureau. Donc je rentre dans le bureau et la petite voix me dit, tiens, il y a des choses. Vraiment ma guidance, hein, pure et dure. Et là, je me rends compte qu'il y a une plaque qui n'y est pas. Une personne qui avait un cabinet, ici, que je connais, Corinne. Et ma petite curiosité, ma petite voix me dit, va voir, va voir. Et là, je me rends compte par la fenêtre qui est là que le cabinet il est vide. Je croise le propriétaire, je lui dis, mais Corinne, pourtant, elle est en vacances à Bali. Il me dit, oui, mais définitivement à Bali. Je dis, c'est bizarre, on s'est eu sur Instagram il y a encore quelques jours, on n'en a pas parlé. Et là, il m'explique que le cabinet il est libre depuis 2 mois et impossible de personne en veut. Je dis, c'est bon, il y a un cabinet à prendre et j'y vais. Je ne sais pas comment je vais le prendre, je ne sais pas comment je vais le faire parce que tout ce que j'ai fait dans les 5 jours qui devaient me rapporter de l'argent, dans le but d'ouvrir un cabinet en 2025, tout s'effondre. Donc je ne sais pas comment je fais. Mais je dis, je le prends. Si tout s'effondre, c'est qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Si toutes les portes se ferment, c'est qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Je décide donc d'y aller. Ok, c'est parti. Sauf qu'il se passe un truc, c'est qu'en février, alors que je devais prendre le cabinet mi-février, je tombe malade. J'ai le nerf vestibulaire gauche qui, visiblement, de ce qu'on m'a dit, est flingué. Donc là, c'est grosse perte d'équilibre, hospitalisation, bref, alors que ça ne servait à rien, mais bon, voilà. Et pendant 6 semaines, tout fin février, tout le mois de mars, je ne travaille pas. Je ne peux pas conduire, je n'ai pas le droit de conduire. Je ne suis pas en état de conduire de toute façon. Rééducation, il faut rééduquer le nerf, etc. Moi, je le prends comme une maladie qui me dit le maladie, et donc la boussole intérieure, c'est vraiment quand je me suis recentré là-dessus, la boussole intérieure qui se réoriente et qui n'est pas d'accord avec certaines choses et qui donc te redonne une nouvelle direction. À partir du moment où je fais le point là-dessus, la rééducation commence à aller vraiment plutôt rapidement. Ce que me dit le kiné, il trouve que ça va vraiment très bien. Ça, c'est le premier point. Arrive au mois d'avril, je dis ok, je le prends. Sauf qu'en fait, j'ai pas une thune. Parce que ça fait 3 mois que je bosse pas. Et donc, le pot que j'avais, c'est parti. La proprio me dit, ça va aller pour payer le loyer? Et moi, j'ai fait, oh ouais, pas de problème. Là-haut, faut un peu m'aider. J'arrive le 4 ici, j'aménage, j'ai 2-3 meubles. Et le 5, je fais une communion avec le lieu. Enfin, j'aime bien, je l'avais déjà fait avant, pour savoir si on était bien en raccord. Et là, je sens que ça match, comme on dit. Donc, on y va. Je fais mon rituel avec le lieu. Et je finis mon rituel. Je reprends mon téléphone et là j'ai plusieurs appels. Rendez-vous, 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 rendez-vous. Et l'argent arrive.
Depuis le mois d'avril, je te jure, j'avais vraiment zéro sur le compte en banque. J'avais même un retard de, je sais pas, 300-400 euros. Peut-être même 500. Donc j'ai rattrapé le retard et payé ce que j'avais. Et depuis que je suis là, non seulement, c'est la première fois, ça fait, je suis indépendant à mon compte depuis 2011, je fais du commercial depuis 2003. C'est la première fois en plus de 20 ans que j'ai 6 mois d'affilée où je paye tout ce qu'il y a à payer et je fais plus 10%. C'est extrêmement rare, extrêmement compliqué. Tous les gens qui font du commercial, qui font du business, savent que le difficile, c'est pas de faire un mois explosif, c'est tous les mois de faire régulier la même chose. Quand tu arrives à faire ça, c'est que vraiment c'est très bon et que le business se porte bien. Donc non seulement j'ai des rendez-vous, même le mois d'août, je dis je bosse 3 jours en août et après je prends 3 semaines de congé. Eh bien le 29 juillet, j'ai quelqu'un avec qui je travaille depuis quelques années qui me dit je viens d'encaisser tant. Combien tu as besoin? On envoie. Fais ta facture. Et donc j'ai payé tout ce qu'il y avait payé au mois d'août. Ça fait vraiment du bien et ça fait plaisir. Preuve que quand on a travaillé sur soi, une fois encore, qu'on a vraiment aimé, on n'a pas eu peur d'aller affronter les choses, eh bien il s'ouvre de belles choses devant vous. Et c'en est vraiment la preuve. Et l'autre preuve, c'est que je suis rentré avec 2-3 meubles que j'avais à la maison. Et tu ne vois pas là sur le côté, mais il y a une table, tu sais, la table de kiné. Eh bien, j'ai trouvé une table de kiné. J'ai fait beaucoup de Le Bon Coin, pour pas le citer, Donon.org aussi. Voilà, j'ai dit, je vais faire que de la récup. Parce que dans l'état d'esprit, en plus, ça me gave qu'on jette. Quand on voit tout ce qu'on a à côté, la surconsommation, enfin, on manque en tant qu'ancien consultant RSE, ça fait un moment que ça me pèse. Je fais une parenthèse sur le fait d'ancien consultant RSE, puisque. En 2023, janvier 2023, j'ai fait un post où j'ai officiellement dit aux yeux de tout le monde adieu à Comeco Consulting, qui était ma boîte de consulting en RSE. Et je savais qu'en faisant ça, j'allais libérer une énergie. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai libéré une énergie. Ce qui fait aussi que tout ce qui était encore un peu lié à ça, donc c'était les fameux rendez-vous du lundi, mardi, mercredi, jeudi, même du vendredi, hop, ça a dégagé pour donner place véritablement à la voix de l'âme. Cette table. Valeur de la table, on est pas loin de 500 euros, voire même plus, à neuf, et je l'ai eu pour 10 euros. 10 euros, c'est un cabinet de kiné qui a ouvert à Cuers il y a un an et qui finalement l'avait pas utilisé et qui s'en débarrassait. Et personne n'en voulait. 10 euros. Tous les meubles, ici, que j'ai, bureau, l'étagère derrière, d'autres choses que tu vois pas, je ferai une vidéo là-dessus après. J'ai dépensé 180 euros au total pendant 3 mois. Il y a des choses qui ont été en don et qui étaient en bon état, hein. Un petit frigo, un meuble à l'entrée, l'étagère là derrière, plein d'autres choses. Et au total, j'ai dépensé 180 euros. Plus le petit ampli qui est là, ce que je m'étais toujours dit. Si un jour j'ai un bureau à moi, ce que je voulais. Moi, j'ai fait du commercial pour acheter l'imprimerie de mon patron. J'ai dit le jour où j'ai une imprimerie. Dans mon bureau, il y aura un canapé pour faire la sieste et ma guitare et mon ampli guitare. Je ne fume pas, donc ma pause, ce sera prendre ma guitare et jouer de la guitare. Chose que je fais. Et j'achète un ampli guitare. Tout ce que j'achète, je dis, si je prends un truc, je mets 20 euros dedans. 20, entre 20 et 30 euros. L'ampli, 25 euros, en fait. La personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On discute. Tu vois le lien concret comme ça. On discute. Je lui explique. Il me dit, ah, c'est génial et tout, c'est bien. Tiens, t'as une carte. Ma femme est branchée là-dessus. Un mois et demi plus tard, sa voisine m'appelle pour faire une intervention, un nettoyage énergétique sur elle. Elle a beaucoup de. Voilà, suite à une relation qui était vraiment très très compliquée, donc il fallait nettoyer tout ça. La consultation dure 2 heures, plus de 2 heures. Et on était parti sur une formule à 1 heure. Et là, on se retrouve à 2 heures. Et elle me donne 180 euros. Exactement ce que j'ai dépensé pour m'équiper. Donc en investissant, en me faisant plaisir, en faisant plaisir à mon âme, à mon cœur, ce qu'il voulait vivre, tu vois, eh bien, j'ai eu. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai dit, waouh, putain, ça fonctionne bien. Et je dis, tiens, j'aimerais une étagère comme ça, et puis j'ai deux, trois autres trucs, tu sais quoi. J'ai la machine à café, on l'a récupérée, qui m'a lâché. Tiens, si je trouve une machine en grain, j'aimerais bien.
Si j'ai, si j'ai, c'est pas grave. Et puis une petite bouilloire pour me faire monter, comme ça et tout. Ou les gens qui viennent. Eh bien, figure-toi que quand je reviens là au local, 15 jours après, il y a une benne en bas. Et donc, il y a des gens qui jetaient des trucs. J'ai trouvé un gros fauteuil que tu trouves chez le géant suédois. Plus de 300 euros le fauteuil, mis dans la benne. Il est juste un peu tordu en haut. Il est pas taché nulle part. Rien. Je l'ai pris, nickel. Je voulais une chaise pour mettre dans. J'ai une petite entrée de l'autre côté. Je voulais mettre une petite chaise dans l'accueil. Je trouve la chaise. Fallait juste resserrer les vis et défaire l'assise et la laver. Gratuite. La chaise, elle vaut 150 balles. Et une machine à café en grains. Une marque italienne qu'on ne va pas citer. Valeur à neuf de la machine, 700 euros. En occasion, elle est à 380. J'ai passé 5 heures dessus, avec madame, à la nettoyer. On a dit, on va bien voir, nettoyer, la détartrer, etc., etc. Reparti comme neuf. Pareil avec la bouilloire. Incroyable. J'ai récupéré pour donner en don, hein, plus de 1500 euros de mobilier. Si tu rajoutes à ça la cafetière, tu es à plus de 2000 euros. Donc une fois encore, l'univers te donne ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Et une fois encore, quand tu libères l'énergie, tu dis adieu à quelque chose, merci d'avoir été là, eh bien tu as quelque chose qui va arriver parce que la nature a horreur du vide. Et pourquoi je parle de ça? Je te parle de ça parce que là, on est le 2 septembre 2024. Il s'est passé que, à titre personnel, tu vois, par contre, au mois de juin, je me suis fait un beau lumbago. Donc, tu dis l'oreille, le lumbago, etc. J'ai regardé la douleur, la vertèbre, ce que ça signifiait, etc. Mauvaise estime de soi. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup travaillé sur les gens, beaucoup travaillé à les aider. C'est bien, je suis heureux, je continue, c'est très bien. Mais en fait, ben, il y avait un rapport de moi à moi qui était assez pourri. Je l'avais déjà détecté, mais je n'avais pas vu. Chaque fois, en fait, on travaille couche par couche. C'est ce que j'explique aux gens qui viennent me voir. C'est pas on fait un truc et ça y est. C'est vraiment un travail. On enlève couche par couche, couche par couche. C'est comme ça. Sinon, en plus, c'est trop brutal. C'est très compliqué à vivre, en fait. Donc, c'est normal. On descend, on revient, on redescend, on revient, et ainsi de suite. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que je travaille sur certains sujets. C'est que maintenant que je commence à percevoir le bout du tunnel ou la clé, tu vois, comment je vais utiliser et tout. Donc, et j'ai encore du travail, au moment où je te parle, là, il y a beaucoup de choses encore à libérer, mais qui vont se libérer. On va faire un beau travail là-dessus. Donc j'ai compris que j'avais une mauvaise estime de moi. À partir du moment où j'ai identifié ça, déjà, boum, le dos s'est débloqué. C'est bien, pas mal. Ça a duré 6 semaines quasiment au total. Arrive le portail énergétique, le fameux grand portail énergétique que tout le monde a attendu, pour certains, certaines, du mois d'août. 08, 08, 8, puisque 2024, c'est une année en 8. Au 26 08 puisque 2 et 6 ben jusqu'à preuve du contraire ça fait 8. Donc pendant tout ce portail là avec une ouverture qui s'ouvre avec une pleine lune en Lion et une nouvelle lune une pleine lune pardon en Verseau. Je suis impacté par les deux, je suis Verseau. L'opposé du Verseau c'est le Lion. Parce que le Verseau est plutôt un signe qui n'a pas envie, qui n'éprouve pas la nécessité de dire moi j'ai raison, c'est moi. Alors que le lion est beaucoup comme ça, beaucoup dans l'affirmation de soi. Le verso ne ressent pas ça. Alors des fois ça le sert et des fois ça le dessert, comme tout. Donc ça montre, chez beaucoup d'entre nous, cette nouvelle lune en lion, de mémoire du 5 août, si je ne dis pas de bêtises. Bien, ouvre un portail qui dit moi, moi, moi je m'affirme. Et c'est bien en fait, parce qu'il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, se reconnaître avant tout, pour reconnaître les autres. Et après, on a les vents verso. Donc, tu as l'apogée qui montre moi et qui te montre si, ouais, mais moi je voudrais m'affirmer comme ça, mais il y a ces barrières. Et ces barrières, bah, en fait, elles sont là. Hein. Les autres, les barrières qu'il y a autour, c'est juste pour contrer la barrière que tu as à l'intérieur. Et le Verseau, quand on arrive à la pleine lune, qui a mis vraiment bien en lumière, parce que la pleine lune, elle est pour ça, ce qui n'allait pas, le Verseau a libéré tout ça.
pour ceux qui ont travaillé dessus. Et après, on a eu une phase descendante qui était un peu plus calme, un peu plus posée, qui a permis de dire, OK, il y a toutes ces énergies qui ont été brûlées par le soleil. C'est souvent, hein, c'est le cas, ça te brûle, on a des colères. Moi, j'ai eu des colères terribles au fond de moi. Jusqu'à l'apogée, la pleine lune, ça a été vraiment compliqué. C'est la première fois depuis des années que je ne dors pas la nuit. C'est-à-dire que de 1h30 du matin jusqu'à 3, 4h, voire 5h, je ne dormais pas. Parce que ça tricotait, ça tricotait, ça tricotait. Et vraiment, c'était compliqué. Et ce qui est bien, c'est que j'ai passé 2 semaines à faire des travaux à la maison, des trucs de fou. Donc, ça m'a permis d'être dans le faire pour ne pas manger le cerveau. Et de faire le point une fois que tout ça est passé. Faut bien, quand on a comme ça des choses, faut pas réagir à chaud. On prend, on dit ok, il y a ça qui remonte, on met de côté, on écrit. J'ai beaucoup écrit. Je suis en train d'écrire un livre. Ça fait 1 an que je travaille dessus. Là, je vais passer à la mise en forme. Ça y est. J'ai travaillé tous les chapitres que je voulais mettre en forme. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. Depuis le mois de juin, j'écris beaucoup. Et voilà, et tous les jours, j'écris une demi-heure, 1 heure, voire plus. Donc là, maintenant, on va passer à la mise en forme. Et voilà, donc j'ai compris tout ça. Travailler là-dessus. Donc ce portail énergétique nous a débarrassé de beaucoup de choses, nous a montré des choses qui nous ont beaucoup dérangés, beaucoup secoués, beaucoup perturbés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on rentre, donc on est le 2 septembre et le 3 septembre, donc demain, à partir de 22h, on va rentrer sur une phase de nouvelle lune. Ça va aller de 22h, mardi 22h, jusqu'à vendredi à peu près 10h du matin. Et pendant cette phase-là, ce transit nouvelle lune en vierge. Nouvelle lune en vierge, c'est les nouveaux projets, la vierge. Notamment professionnels, mais aussi projet de vie. Qu'est-ce que je veux, là où je veux aller? Et cette nouvelle lune en vierge va avoir, pendant son transit, là, pendant les 48, presque 72 heures, va nous montrer, en opposition, on a Saturne, donc Chronos, le temps, la réalité. Et Neptune, le rêve, ce à quoi on aspire. Et ce qui va se passer, c'est que on va déjà avoir un premier regard là pendant cette semaine, et puis il y aura encore des énergies qui vont aller jusqu'à la pleine lune comme ça, qui vont nous montrer, eh bien, le delta qu'il y a entre la réalité et le rêve. Moi qui étais commercial, c'est exactement ça. On a un objectif commercial. Ce mois-ci, je veux faire 20 000. D'accord. Quelles actions tu vas mettre en place pour faire 20 000? Et est-ce que tu as les connaissances, les compétences, le plan d'action, sur quel secteur tu vas le faire, sur quel, tu vois, est-ce que ton schéma il tient la route? Tu veux faire 20 000 sur un secteur d'activité ou sur un secteur géographique? Sauf que le camembert, il est comme ça. Le camembert, lui, il grandit jamais. Il est part, soit vous êtes à 3 sur le marché et ok, tu peux faire 20 000, mais si vous êtes 20, ça va être compliqué. Si le pouvoir d'achat n'est pas là, si tu t'adresses à une population qui a un faible pouvoir d'achat, bah ça va être aussi plus compliqué. Ou alors il va falloir que tu rajustes. Donc on va transposer ça dans notre réalité qui nous est propre, sur un nouveau projet professionnel, sur un nouveau projet de vie. Tu vois, par exemple, je t'explique, je suis en train d'écrire un livre. Est-ce que j'ai les compétences pour écrire? Bah oui, parce que j'ai écrit pas mal de chansons. Ça fait des années que j'écris un texte, que j'écris, parce que soit je m'exprime par le dessin, soit par l'écriture, soit par la musique. Parce que bah, j'ai passer les 14 premières années de mon existence sur un lit d'hôpital régulièrement. Et du coup, ben, cette solitude, tu la connais, tu vois. Et ben, il s'avère que oui, en plus, voilà, je suis à l'aise là-dessus. Donc je sais que je peux le faire. Est-ce que je suis suffisamment structuré pour ça? Oui. Est-ce que j'ai la discipline pour ça? Parce que c'est une discipline avant tout. Oui. Parce que j'ai la discipline musicale. Je sais que si tu vas arriver à jouer un morceau, ben pareil, ça fait plus d'un an et demi que je me remets à la guitare tous les jours. Une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, répartie comme ça. Donc cette discipline-là, je la connais. Pareil, je me suis remis au chant pour faire du bien à mon âme et pour nourrir aussi tout ça, nourrir ma créativité. Donc je sais que mon plan d'action, j'ai ce qu'il faut. Et après, bien évidemment, il ne faut pas que je me laisse pervertir par mon objectif. Pourquoi ça va être important? Parce que cette conjonction Neptune-Saturne va se retrouver à partir de 2025. Ben, on va avoir une véritable, je ne sais plus exactement à quel moment. Je vous le rappelle, je ne suis pas astrologue, mais on va avoir cette conjoncture Saturne, Neptune, pardon, où la réalité et le rêve vont se rejoindre pour être confirmé en 2026. Si tu n'as pas rêvé assez grand, entre guillemets, bah tu vas dire, oh, c'est dommage, je suis un peu frustré. Si tu as rêvé trop grand, mais que tu n'as pas mis les actions de la réalité pour être mis en place, tu vas un peu avoir une grosse fracture du moral.
Donc on a justement, là actuellement, pendant la semaine et les 15 jours qui viennent, cette possibilité de bien comprendre cette réalité-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je vous invite vraiment une fois encore à faire le point là-dessus. Si vous n'avez pas senti le portail énergétique qu'il y a eu au mois d'août et que vous n'avez pas travaillé dessus, vas-y, prends 5 minutes pour le faire. Regarde-toi dans le miroir, pose-toi dans un coin, fais-le à ta manière. Il y a plein d'outils pour ça. La méditation, j'en parle souvent. Mais pour travailler sur ces sujets-là, qu'il y a au fond de toi, comment tu veux t'affirmer? Quel est vraiment le truc auquel tu rêves? Là, on a une possibilité devant nous qui est absolument phénoménale. Mais encore faut-il saisir sa chance. Tout simplement. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est toujours comme ça. J'ai vu des parce que j'adore la guitare, donc j'ai vu des guitaristes incroyables sur scène. J'ai vu mon dieu vivant qui était Eddie Van Halen. Mais c'est un mec à la base, il se faisait ramasser en musique. Hein. Il a voulu faire de la batterie, son frère lui a dit dégage, je suis meilleur batteur que toi. Il a voulu être chanteur, à la base c'est lui le chanteur de Van Halen, tout le monde lui a dit dégage, t'es pas bon. Il a voulu se mettre au piano, son prof de piano lui a dit mais t'es une véritable cata, allez casse-toi. Tu connais rien à la musique. Le mec il prend une guitare, il devient ce qu'il devient, quoi. Mais pourquoi? Parce qu'il a passé des heures et des heures et des heures là-dessus. Tout simplement. Tout simplement. Il a mis du temps à trouver sa voie. Lui à la base, et d'ailleurs sur la fin de sa carrière musicale, il explique dans un interview qu'il jouait beaucoup plus du piano que de la guitare. Il était beaucoup plus intéressé et partie prenante sur, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme, sur le piano que sur la guitare. Pourtant, il est bien meilleur guitariste que pianiste. Mais bon, voilà, mais c'est pas un problème. Il a trouvé sa mise en forme qui lui a permis de. Donc, si t'as un rêve, t'as un objectif, vas-y, et puis surtout, donne-toi la peine pour qu'il soit réel. Et puis, si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Regarde, c'est pour ça que je raconte l'histoire de ce cabinet. Quand j'ai parlé du cabinet, il est dit, mais comment je fais? Et je suis rentré à la maison. Ma femme m'a dit, mais ça fait 2 ans que tu nous bassines avec ton cabinet. Donc, il arrive là maintenant. Ben, prends-le. Puis tu verras bien. Tu dis toujours aux gens, c'est ce qu'il faut faire. Donc, fais-le pour toi. Ben, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je regarde mes petites notes. Si j'ai bien parlé de tout ce qu'il fallait parler. Oui, parce qu'en plus, au mois de septembre, ben, on arrive sur un cyclone 9. C'est-à-dire, le chiffre 9, ben, c'est la fin de vie, le cycle de la mort, mais aussi, du coup, de la renaissance. Donc, on est vraiment pile poil. Tu vois, il y a tout qui concorde sur le fait de dire adieu à certaines choses. Après, l'autre point, pourquoi c'est intéressant? Parce que du 3 septembre au 20 novembre, Pluton, qui était rentré en Verseau, fait un dernier transit en Capricorne. Capricorne, c'est un signe beaucoup très structuré. Là, on c'est un signe de terre, donc on est extrêmement structuré. Donc on a dégagé pendant tout ce premier semestre beaucoup de choses qui nous ont pesé. On a eu des choses, beaucoup de choses, des gens qui nous ont quittés de manière définitive. J'ai beaucoup de gens là depuis le 1er septembre qui perdent leurs animaux de compagnie. Bah oui, parce que nos animaux de compagnie qui font partie de la famille sont là. D'ailleurs, la nôtre était partie pareil sur ce même cycle-là et ils nous accompagnent. Et là maintenant, c'est bon, je t'ai accompagné, vas-y, fais ton chemin. Et donc, là, Pluton qui va rentrer en Capricorne, ben, va remettre une couche vraiment sur les trucs qu'on va mettre au carré. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut plus, ça c'est hyper important, on va le structurer en ce que je veux et qu'est-ce que je mets en place. Et là, Pluton va nous aider. Il nous aide pour déconstruire, et là il va encore nous aider à déconstruire, mais pour reconstruire. Mais encore une fois, faut-il s'en donner la peine? Moi j'écris beaucoup parce que d'écrire, ça m'a permis de restructurer beaucoup de choses. Et j'ai fait un travail, je l'ai fait d'ailleurs fin juillet, avant d'attaquer le portail énergétique, c'est que j'ai fait une feuille et j'ai dit, tout ça, je veux plus. Et c'est en lien avec notamment l'estime de moi. Donc tu vois, chaque chose a un sens. Cette feuille, je l'ai. Et en face, j'ai écrit, voilà ce que je veux. C'est-à-dire, je ne veux plus être découvert, je ne veux plus être découvert à la banque le 5 du mois. Ben, j'ai écrit, je veux. Par les conditions que je mets en place, avoir la capacité financière de répondre à tous mes besoins durant tout le mois en cours. Et l'argent arrive. La feuille avec je veux plus, je l'ai pris, je l'ai brûlée. Merci à l'univers, j'ai mis une petite bougie avec ça et un encens. Et le je veux, tu la plies et tu la mets dans la table de nuit ou quoi. Et tu verras ce qui se passe. N'oublie pas le fond. Avant toute chose, c'est le fond. C'est pas la forme, c'est le fond. Et la forme, elle va se manifester après différemment.
Donc on va se servir de Pluton pour travailler là-dessus. Et après, autre chose, c'est toujours pareil à partir du 21 septembre, d'accord? Et ce, jusque pendant 8-9 mois. Donc ça nous mène jusqu'à mai-juin 2025. On va entrer dans une très très forte énergie martienne. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est le dieu de l'action. Donc on va agir. On va agir pour que notre rêve devienne une réalité. Et c'est super important ça. Et si tu deviens une bonne personne pour toi, tu vas devenir une bonne personne pour les gens qui t'entourent. Et tu vas attirer des bonnes personnes autour de toi. J'ai traité depuis que je suis arrivé là ici au mois d'avril, toutes les semaines, beaucoup de gens qui sortent de relations compliquées, beaucoup de magie noire qui est envoyée les uns sur les autres. Je comprends pas trop, mais bon, on s'est aimé. On n'est pas obligé de se faire des saloperies pareilles. J'ai vu une avocate en mois de janvier qui m'a dit, c'est vrai que les gens y font vraiment ça. Elle est spécialisée en divorce dans son cabinet. Un couple sur deux dit à l'autre, t'as voulu me faire de la saloperie? Ah, il veut partir avec l'autre. Allô? Eh ben, il va voir. J'ai une mèche de cheveux, magie noire. Un homme devant sa femme qui lui dit, bah écoute, maintenant c'est terminé. Sa sœur, elle est là. Elle dit, t'as entendu ce qu'elle veut me faire? Eh ben, tu vas voir. Ma sœur, elle fait de la magie noire, tu vas voir ce que tu vas voir. Et bilan des courses, ben, 2 ans plus tard, c'est allô Fabrice. Voilà. J'ai beaucoup traité de ça. Et beaucoup travailler sur des personnes qui ont du mal à construire des relations amoureuses. Ben oui, parce que y a des choses là au fond qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas traitées. Beaucoup de gens qui ont du mal professionnellement à se retrouver. Ben oui, parce que tu veux quelque chose, mais au fond de toi, il y a un truc qui est contraire. Tu ne t'autorises pas à. Donc il y a une fois encore un travail, un travail, un travail, un travail dessus. Voilà un petit peu la petite info du jour que je voulais vous donner là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je vais faire des petites vidéos comme ça. Je vais continuer à poster aussi toutes les vidéos. Toi, je me débarrasse entre guillemets de toutes les vidéos que j'ai fait avant. Parce que en termes de contenu, c'est bien, mais c'est une ancienne énergie. Donc pareil, pour préparer ce qui va arriver en 2025 et qui va être confirmé en 2026, je solde. Je suis très heureux de l'en plus, je veux vraiment vous les présenter, peu importe le nombre de vues que ça fait. Mais voilà. Et autre chose, un autre point dont je vais vous parler. Puisque je l'ai fait, et j'ai eu cet exemple ce week-end, c'est tout ce qui est tout ce qu'on achète en seconde main. Que ce soit un meuble, tu vois, il y a quelqu'un qui met un meuble à l'entrée, qui me dit, je sais pas pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser de ce meuble. Personne n'en veut. Il était dans l'entreprise du monsieur, et personne ne voulait de ce meuble. Il me dit, on met une plante dessus, la plante elle fane. On met un verre dessus, le verre il tombe, vous savez pas comment. Ben, quand j'ai mis le meuble dans la voiture, j'ai compris, hein. Il y avait une belle saloperie qui allait à l'intérieur. Alors c'est la première fois, c'est en conduisant. Hop là, on dégage le truc parce que ça m'a vraiment pris là. J'ai laissé faire la guidance, hein, ça s'est fait un peu tout seul. Et une personne m'a appelé ce week-end, ma mère, pour pas la citer, qui me dit j'ai acheté un truc sur Amazon. Et je sais pas, je me sens mal. Il dit bah, c'est normal, et j'ai l'image, il dit bah, on va nettoyer et dégager tout ça. Donc quand vous achetez, même sur de la seconde main ou quoi, il y a tellement d'énergie avec des taux vibratoires qui bougent et tellement de gens qui sont en colère qu'il suffit que la personne, quand elle prenne le paquet qu'elle doit vous livrer, elle est en colère après quelque chose, eh bien elle va vous transmettre cette colère. Et vous n'allez pas être bien. Donc quand ça arrive, eh ben on sent pontifical, la sauge, ça se fait aussi avec du laurier, hein, du bois de San Paolo, parce que la sauge c'est compliqué et puis c'est devenu cher. Voilà, et ça c'est un bon plan. On nettoie ou on balance de l'eau bénite dessus. Vraiment on nettoie, d'accord? Et après on lave, s'il y a nécessité de le laver. Moi tout ce qui est arrivé ici, il y a eu un rituel de nettoyage énergétique. J'ai eu deux, trois trucs vraiment à nettoyer. Et après, il y a eu une forme d'accueil qui a dit ben, bienvenue et je te consacre à ce qui va se passer ici. Ce lieu, je l'ai rebaptisé le berceau de la voix de l'âme. Donc bienvenue à vous tous qui venez ici, qui me faites confiance, un grand merci vraiment. Et à ceux qui m'écoutaient, qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont découvrir ce lieu
Et voilà. Je remercie les gens qui me font des cadeaux aussi. Il y a des gens qui me font des cadeaux, des offrandes. Eux, ils appellent ça des offrandes. On m'a offert là aussi, une dame, elle est allée à Lourdes, elle m'a dit, écoute, je sais le travail que tu fais. Ma médaille de Lourdes, la Vierge Marie consacrée, je te l'offre. Une personne qui m'a offert une petite statuette de l'archange Michael. Méga pierre, labradorite, et plein d'autres choses. Une malle, je rêvais d'avoir une malle, on m'a offert une malle, mais un truc énorme. Et d'autres choses comme ça. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et là encore, j'ouvre un chapitre rapidos là-dessus, je referai une petite vidéo, mais la perception qu'on a des choses. C'est-à-dire qu'ici, je suis encore un peu regardé comme un paria par certaines personnes, et ça fait partie du jeu, je le vis comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que des personnes qui sont d'autres cultures, notamment sur des gens qui viennent d'Afrique ou qui sont dans les îles, j'ai des gens qui m'appellent de Tahiti, de la Réunion, des choses comme ça. Personne qui est venue, enfin qui fait l'aller-retour entre Tahiti et ici, quand elle a fait appel à moi, elle m'a offert des choses. Elle m'a dit, mais tu sais, les gens comme toi chez moi, eh bien, en fait, ils n'achètent pas à manger. Tous les jours, tu trouveras à manger sur le pas de ta porte. Enfin, c'est hallucinant. Et ici, on me jette des cailloux. Mais voilà, mais c'est comme ça. Si j'ai choisi cette incarnation ici, là maintenant, comme ça, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Et puis à côté de ça, ben, il y a plein de belles choses qui arrivent. Voilà, c'était cette vidéo que j'avais pas faite depuis longtemps, mais que je voulais vous transmettre, parce que pour moi, elle est importante de vous transmettre ça par rapport. Là, on a un virage qui est bien, qui est vraiment sympa. Je vous invite à travailler dessus. Puis si vous tombez après coup sur la vidéo, il y a moyen encore de travailler des choses. Hein, de toute façon, parce qu'il y a des cycles. Il y a le cycle général, le grand cycle pour le grand tout. Puis il y a notre cycle personnel. Donc si tu es, je sais pas, imaginons le 15 mars 2025, tu tombes sur cette vidéo, ben c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler dans ton cycle personnel. C'est pas trop tard. Voilà. Donc un grand merci à vous tous et puis ben, je vous fais plein de bisous et je vous remercie et puis Yallah pour les bonnes choses qui se passent ici. Merci à vous. Au revoir.